Ce week-end, c'était un chaos absolument indescriptible. Ah ben, c'est indescriptible. Mais, dites-moi, voilà qu'il met sa présidence en jeu. Oui, et qu'il l'a vraisemblablement perdu parce qu'à ce stade, le sondage est sans appel. Le public, on va pas dire que c'est ni un sondage ni un vote, hein. Mais en tout cas, le sondage qu'il a lancé sur Twitter clairement lui indique qu'il est temps de partir. Et ouais. Il est vraisemblable qu'il s'y conforme. Vous pensez qu'il va s'y conformer ? Oui, il aurait les plus grandes difficultés à rester en place après un résultat qui est objectivement sans appel. On n'est pas loin des 60% des votants qui lui réclament son départ. Ça me paraît difficile de rester en place. Il va probablement, évidemment, rester propriétaire, évidemment rester au conseil d'administration, mais il doit d'ores et déjà être en train de chercher un nouveau patron. Et peut-être qu'en pratique, tout ça est un vaste numéro avec un nouveau patron qui a déjà été trouvé depuis belle lurette.